Il y a un petit bouton rouge. Ouais. Monsieur, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous n'êtes pas rouge, vous. C'est normal ? Non. D'accord. Alors, je vais purger le carburant et ça va partir. Redresse ton corps. Redresse ton corps. Recule un tout petit peu. C'est parti. Moteur. Tout petit peu de gaz. C'est fait. Attends un petit peu. Vas-y, mets-en un tout petit poil. Tu me reçois. Bon vol, Samy. Merci. C'est rouge ? Ouais, c'est rouge, Samy. Donc l'air, il y a juste ce qu'il faut, c'est impeccable. Tu prends ton temps, tu connais les consignes, si ça le fait pas, tu sais ce qu'il faut faire. Mais là, ça devrait le faire, impeccable. T'as pas peur du fossé en face, hein. Si malheureusement ta course était un petit peu plus longue, tu continues à allonger, mais tu regardes surtout bien ta voile, parce que t'es calé sur l'avant niveau du moteur, hein, n'oublie pas. Hein. Et on allonge bien la foulée, on monte bien les genoux. Allez mon grand, quand tu veux. Donc les consignes c'est gaz, 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 t'es pas obligé de les entendre. Et si c'est coupe, 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 on coupe, on avance, on affale sa voile sur le côté. Tu m'entends? Merci, je te laisse tranquille. Eduardo, tu fais attention, je mets au déco, Samy. Redresse ton corps, redresse ton corps, redresse ton corps. Monte tes bras, redresse ton corps. Voilà. Allez, c'est parti, gaz, gaz, gaz. Allez, gaz, 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 gaz. Allez, allonge, 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 gaz, 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 à fond, à fond, à fond. Allez, 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 c'est bien, superbe déco, Samy. Superbe déco, Samy. Allez, je me casse. Le boulot est fini. Tu te souviens de cette vidéo, tu l'as vu? Par contre, toi, tu commences à me buriner. Qu'est-ce que c'est que ce truc de mollasson, là? Non, mais... J'ai un boulot, moi, ce soir, à faire avec toi, là. J'espère, j'espère. Ouais, mais là, je te sens un peu mou du cerveau, non, là. Je suis. Bon, Eduardo, t'as un copain en vol. Donc, bah, Eduardo, on va attendre que Samy se décale un peu. Samy, je vais te laisser voler. Tu te profites et tu fais les exos que je t'ai demandé de faire, mais tu les fais à une hauteur raisonnable. Et puis, Eduardo, tu attendras peut-être que le chariot ait décollé, hein, avant de... latéraux. Bon, qu'est-ce que tu peux bien me prouver, toi, Eduardo? Qu'est-ce que tu n'as pas fait que tu sais pas faire ou que je pourrais t'apprendre? Putain de bordel. Tiens, des petites oreilles vent de face. Tu montes à hauteur conséquente, mon Eduardo? Ouais, c'est ça, fais le con. Mais ça, tu sais faire, ça, je sais. Alors, tu montes à hauteur conséquente et puis tu vas me... Alors, les oreilles, tu vas faire attention, parce qu'il y a la gestion des gaz. Hein. Tu fais pas ça face à ma voiture. Enfoiré. Ouais, oh, enfoiré. Et t'essayes de rester bien droit. Essaye de pas... Ouais, d'accord. Bah voilà. Voilà, ça c'est les oreilles. Bon bah Eduardo, c'est les fers, c'est bon. Non, non, il va chercher des... Sur les A, il y a... Sur les A, il va chercher ça. Sur les A, c'est ça qu'il va chercher. Mais ça, on fait à la fin de la formation. D'accord. Ça ramène les plumes comme ça. Ça permet quand tu te fais aspirer par un nuage et que tu peux plus descendre, même moteur calé, et puis tu fais des 360 et que ça ne veut pas descendre. Car pour descendre, si ça ne veut pas descendre et que tu te fais aspirer, tu as les 360 facteurs de charge, vous l'avez appris en théorique, donc ça devrait descendre. Mais oui, mais si c'est suffisamment puissant, ça ne peut ne pas descendre. Donc bah, tu es obligé de réduire la voilure. On s'en sert aussi beaucoup en parapente pour gérer sa finesse, c'est-à-dire son point d'aboutissement. Quand tu as un tout petit terrain que ça finit par des arbres, il faut se poser avant. Bah, voilà, donc c'est très utile en parapente. Moi, lui, il est parapentiste, donc c'est normal qu'il sache bien les faire. Il hésite pas, il y en a qui est timide au début, c'est normal, mais alors lui... Samy, t'essayes de pas trop monter sous le nuage, là, parce que tu vas te faire aspirer. Donc t'essayes de me contrôler la hauteur, s'il te plaît. Tu me fais horizon confondu sur le haut du pylône. Voilà. Tu me fais les 360 avec gaz un peu, petit peu plus réduit, quand même. Alors, un point de repère au sol,
et tu me fais un tour complet 360 à droite et ensuite 360 à gauche jusqu'au repère. Donc tu prends un repère au sol et tu le fais complet avec un tout petit peu de gaz et tu fais en sorte que le palier soit maintenu. Eduardo à l'atterrissage. Ou en passage bas, je sais pas trop ce qu'il va nous faire, Eduardo. Eduardo, sacré Eduardo. Ouais, ouais. Attention, attention, Eduardo. Un petit peu de gaz, un petit peu de gaz. Ouais, un petit peu de gaz. Ouais. Un petit peu de gaz. Voilà, Samy, tu regardes bien l'horizon pour faire en sorte que t'aies pas de... Hein, tu les fais pas trop serrés non plus, hein, tes 360. Fais gaffe, hein, t'es un petit peu serré sur les 360 quand même. Hein. Fais attention. Vas-y, progressivement, fais pas peur à ton instructeur. Voilà. Doucement sur le virage à gauche. Doucement. Voilà. Voilà, cadencé. Bien cadencé, bien cadencé. Pas trop fort, pas trop fort, pas trop fort sur la commande de gauche. S'il te plaît. Voilà. Fais-les un peu moins serré tes virages. Un peu moins serré les virages, Samy, s'il te plaît. On n'est pas en parapente, hein. Voilà. Et tu regardes bien l'horizon et quand tu sens qu'il faut remettre des gaz, tu remets des gaz. Bon, Samy et Eduardo, je me occupe de vous. Ben, Samy, il a l'air d'être heureux là-haut. Samy, tu tires pas trop sur les commandes, s'il te plaît. Hein. Pas trop fort sur les commandes, s'il te plaît. On n'est pas en parapente. Ça va ? Ouais ? Bon, bah, on va commencer par Eduardo qui va nous faire donc une belle PTS moteur coupé à 80 mètres. Samy, donc voilà, tu vas faire joujou un peu plus loin et on va s'occuper d'Eduardo. Ah, faut s'occuper de tout le monde, hein, c'est pas évident. Hein. Hein ? C'est bien ça, je vois le rond jaune aussi. Ouais, une Jedi. Voilà, donc bah, c'est bien, c'est parti pour toi, mon ami. Ah, c'est moi qui vais être le point d'aboutissement, attends, bouge pas. Allez, c'est moi le point d'aboutissement. Ah, voilà, je suis là. Coucou. Peut-être un peu tard le point d'aboutissement, mais bon. Attends, je me décale un peu. Sors de ta salette, mon grand, sors de ta salette, sors de ta salette, sors, 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 sors. Voilà. Putain, putain. Très bien. Bon, Samy, tu vas te préparer, tu vas monter un peu plus. Et tu vas nous faire également une PTS. Quand Eduardo sera dégagé. Bon, c'est du brevet sur brevet, rebreveté, recouché breveté. Il y a le vernis avec, il y a tout là. Donc Samy, bah, tu restes en palier. Tu vois, je suis là dans le terrain, dans le milieu du terrain, tu regardes la manche à air. Et c'est toi qui vas prendre la décision du moteur coupé. Le but, c'est de se rapprocher le plus de moi, sachant qu'attention, sécurité, 30 mètres sol, droit devant. Hein, c'est pas grave si t'es un peu loin, c'est pas grave. Hein. Voilà, c'est un exercice. Alors dès que tu auras coupé le moteur, il faudra bien avoir la logique des bras hauts et sortir de la sellette. Pas trop branler sur la voile, hein, faut bien les virages à plat, hein, faut tirer tout petit peu sur les deux commandes pour éviter que la voile parte trop en roulis. C'est toi qui décides, mon grand. Comme je te l'ai dit, face au vent, tu regardes la vitesse sol. C'est toi qui l'estime pour pouvoir estimer le coupé moteur. Allez, on coupe là, parce que tu vas me faire une PTS tout le moteur allumé. J'en veux pas, moi, du moteur allumé. Voilà. Vas-y, tire droit, tire droit, tire droit, tire droit, tire droit, tire tout droit, tire tout droit. Là, tu vas être trop haut. Voilà, tire tout droit et après tu vas revenir sur moi. Voilà, sinon tu vas être trop long. Allez, boucle, 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 boucle à droite, doucement, doucement, doucement sur les commandes, doucement. Remets-toi en ligne, perpendiculaire. Voilà, sors bien de la sellette. Et voilà, allez, finale, 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 finale sur moi. Doucement les commandes, doucement les commandes, doucement les commandes. Finale sur moi, voilà. Ah ouais, allez, bravo, on bande sa voile, attention, ça perd. Allez, tire, tire, tire. Voilà, c'est bien. Et on regarde toujours par terre à l'atterrissage, hein, parapentiste. Alors c'est quoi cette approche? C'est un peu patatoïde, hein, mais c'est pas grave. C'est bien. T'avais le temps de reboucler sur moi. Ouais, hein, c'était super.
Eh bien, les commandes, faut faire ça. Tac, bien descendu et faire ça et ça. Parce que là, tu es. Parce que. Puis tu bouges vachement ta voile. Tu es là, bah, j'étais mal assis en fait. Enfin, mal debout. Mal debout, mal assis. Ouais, c'est vrai que là, je suis arrivé vite là. Là, j'ai pris tout dans les jambes. Oui, oui, oui. Et tu regardes pas.